Salut à tous et on se retrouve encore sur le boss Merlin. Hein, voilà. Donc il y en a qui n'ont pas compris que les 3000 points, je les avais fait sans Escanor. Voilà, aucun des deux. Hein. Donc c'est possible. Mais là, on va voir avec des unités. Donc sachez que cette semaine, hop hop, il y a, pour ceux qui l'ont pas, le Gozer. C'est pas ici. Le Gozer est dans le coin shop en réduction et que Arthur est disponible ici. Il y a même un petit Guild Thunder en réduction. Donc bref, techniquement, il y a ce qu'il faut dans le coin shop pour le combat de boss. Alors si vous avez commencé le jeu hier, forcément, vous n'allez pas vous taper du infernal. Hein. Du mode normal, vous le farmez. Normalement, c'est relativement simple et vous pourrez obtenir le cosmétique de Merlin. Donc là, on va prendre, hop, hop, on va se mettre une petite bouffe. Attaque ou HP? Ou attaque ou HP ou vampirisme? Je me tâte. On va faire de l'attaque. Hein. Pourquoi de l'attaque? À cause. Alors, faudra faire gaffe à Gozer. Mais l'attaque à cause du debuff saignement de Jericho. Et Jericho a également un coup qui permet d'augmenter ses dégâts quand il y a un buff. Donc, elle est plutôt intéressante, la Jericho. En plus d'apporter de l'attaque à l'ensemble de l'équipe pour les types rouges. Voilà. Donc, ça booste un peu l'attaque. Et profite du boost de HP et de vampirisme de Arthur. Voilà. Donc, il y a plein de combinaisons possibles avec les différents personnages. Le seul qui est immuable dans quasiment toutes les équipes, je dis bien quasiment, c'est Gozer. Parce que, bien sûr, on peut le changer, mais. C'est pas trop conseillé quand même. Allez, c'est parti. On pourrait même mettre Hauser en sub pour augmenter encore tout ce qui est attaque, défense, HP. Le problème, c'est que là, niveau régène, on aura pot de zub, hein, sauf si on prend bien sûr une bouffe vampirisme. Ce qui pourrait éventuellement valoir le coup. Hein, on testera après. Bref, là. Ah bon, on y va direct. On y va direct. Donc, tac, tac. Hop. Hop. Donc oui, je me suis pris le cosmétique de Jericho, j'ai été faible, mais j'aime bien l'avoir un petit maillot de bain, hein, voilà. Alors. Et j'ai pris également celui de Merlin, hein. Je suis quelqu'un de bon goût. Hein. On saura jamais le dire. Alors si vous voulez savoir ce que fait le boss, j'ai tout expliqué dans la précédente vidéo. Là, on va se contenter vraiment du petit run. Limite avec des personnages qu'on pourrait qualifier de F2P, hein, clairement. Donc là, on fait hop, hop, hop. Le petit saignement qui fait plaisir. Alors le saignement c'est très utile notamment pour casser les boucliers aussi, hein, puisque le saignement impacte le bouclier, ce qui est vraiment très cool. Voilà. Donc là, on va faire hop. 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 Oh, cette patience. Cette patience des enfers. Pauvre. Mon pauvre. Mon pauvre. Tu sers tellement à rien. Alors. Bon, déjà, c'est bien parce que. On va être un peu tranquillou pour la phase 2, normalement, avec les buffs, là. Donc là, bouclier, ok. Par contre, là, j'ai pas de carte de Jericho. Hein. C'est un peu dommage. Donc. Hop. Hop. Et. C'est parti. Ouais. Ouais. Autant s'en débarrasser. Ça fait des ennuis en moins. Et comme ça, là, on peut encaisser l'aspect sans se prendre de debuff, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors. Bon, c'est là que les choses commencent à devenir sérieuses et très chiantes. Alors. Alors.
Donc, on va faire tac, tac, tac. Donc là, on est bon. Moyen, en fait. Là, on a un peu de la faiblesse. Donc là, ça descend, c'est pas grave. Ok, donc il nous reste des tours de buff. On va faire ça. Elle se buff au prochain tour. Ouais. Donc tac. Et là, on va préparer ici. Où on lance direct pour gagner. Bon, on lance direct pour gagner. Donc là, elle va se mettre le bouclier. Donc j'aurai une 3 étoiles pour Jericho. Ce qui peut potentiellement terminer le combat. Mais faudrait-il encore que j'ai bien les sphères de spé. Donc on vérifiera juste après. Tac, tac, tac. Donc là, deux Gozer, c'est bon. Donc Arthur. Ah, ça commence à poser problème sur Arthur. Elle se met le bouclier. Ok. Donc là, on va faire. Hop. On va faire. Tac. Et on va déplacer la carte d'Arthur. C'est bon. C'est bon. Tranquille le petit coup. Hein. Le petit coup de la Jericho. Donc là, on a toutes nos sphères de spé, nickel. L'arrivée de Merlin, toujours d'une beauté fatale. Surtout pour nous. Alors, là, on met ici, comme ça on remplit le succès des sphères. Ici... On la kill parce que c'est elle est très embêtante. Et on garde celle-là en vie. Donc, parce qu'elle va buffer. En tant qu'elle n'a pas buffé Merlin, on va la garder en vie, en fait. Pour profiter, en fait, de Jericho. Et donc là, paf, on lance le petit poison. Le petit poison, c'est toujours sympa, hein, en spé. Voilà. Alors là, il y a son petit poison. Et techniquement, là, le combat, il est fini. Mais vraiment, vraiment, là, le combat, il est déjà fini. Mais j'espère que je pourrai jouer quelques cartes. Non, fini. Voilà. Je vous avais dit qu'il était fini. Donc voilà. Ça, c'est l'équipe avec Jericho. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors par contre, les points, c'est pas ouf. Hein, on va voir. Mais ça avance bien quand même. Donc on va voir là les points. 2400. Voilà. Avec Jericho. Hein, tous ceux qui n'arrivent pas à faire plus de 2000. Vous voyez que c'est largement possible. Hein. Donc j'espère que cette petite vidéo FTP. Hein, alors sachant qu'en plus, j'ai un level 65. J'ai une petite Jericho 75. Donc les personnages sont pas max. Mais bon, j'ai quand même du stuff SSR 5 étoiles. Sur mes personnages principaux, hein, donc ici on a attaque, attaque défense, HP défense, HP défense. Et au niveau des subs, c'est que du rare doublon en fait de leur stuff à eux. Voilà, donc c'est pas, techniquement, si vous jouez depuis un petit bout de temps, ça devrait être accessible à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo F2P vous a plu. Donc c'est pas avec cette équipe qu'on va faire du score. Mais ça permet, je pense, de rester dans les 5% quand même. Voilà. On verra. Hein. Mais 2400, c'est quand même pas mal comme score. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde. Oh, on n'est même pas aux 10 minutes. Ouais. Qu'une seule pub. Allez, salut à tous.